Allez, on va commencer. Oui, bonsoir les Kardèches, j'espère que vous allez bien, tout se passe bien pour vous et que c'est parfait. Aujourd'hui, donc vous êtes sur Radio Kardèche avec Tonton Barry. C'est un des moments que j'apprécie, j'affectionne particulièrement donc dans Radio Kardèche, être avec vous, faire cette émission avec vous et surtout avec Maxime Gouin, l'historien Maxime Gouin, vous savez, qui nous apprend beaucoup beaucoup sur notre pays, donc la Turquie. Heureusement qu'il est là, et grâce à lui, je peux dire que franchement, pas seulement moi-même, je reçois énormément d'avis positifs, des petits jeunes qui me disent, tonton, bah écoute, grâce à ton émission, grâce à Maxime, bah, on apprend des histoires, parce que la plupart des Turcs qui sont en France, je parle d'eux, hein, ont fait leurs études en Turquie, ils sont nés en France, ils ont fait leurs études en Turquie, et toute leur scolarité a été, pardon, en Turquie, tout a été fait, pardon, né en France, et scolarité en France, et ils travaillent en France, et ce qui se passe de leur pays d'origine, malheureusement, ils ne connaissent pas beaucoup, et comme la maîtrise de la langue turque, bah, c'est pas terrible, donc c'est pas évident de prendre des livres d'histoire, et de connaître l'histoire de ses origines. Et grâce à Maxime Gouin, alors c'est ça que j'adore, c'est que Maxime Gouin est un historien français, et qui nous apprend donc l'histoire de notre pays. Alors ça, c'est j'adore, bon, moi j'adore, et grâce à Maxime Gouin, nous apprenons donc énormément de choses. On a appris, on a parlé de Chypre, on a appris des Arméniens, on a parlé des accords d'Ankara, de plein de choses. Donc vous irez sur notre site Radio Kardèche et vous pouvez voir, donc vous tapez Maxime Gouin, ou alors vous allez sur notre site histoire-de-la-turquie.fr et vous allez voir à peu près toutes les émissions que nous faisons sur tous les sujets en français, les amis, de façon à ce que tout le monde comprenne. Alors, j'aime bien parce que Maxime, c'est pas moi qui décide de ce qu'on va parler, donc des fois je donne mon opinion, si on peut parler de ça. Je laisse Maxime, historien, il déroule donc l'histoire de la Turquie, et il m'a proposé de vous parler. Alors c'est des choses que j'aurais même pas pensé, hein. C'est vrai que même moi, qui ça fait plus de 50 ans que je suis en France, enfin bientôt 50 ans que je suis en France, je me suis jamais posé la question de savoir. Mais il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Donc la Première Guerre mondiale, c'est une chose, mais il y a eu la Deuxième Guerre mondiale où c'est quand même assez catastrophique. Et c'était quoi le rôle de la Turquie? Qu'est-ce qu'a fait la Turquie? Donc bah justement, on va parler de ça. La Turquie, dans la Deuxième Guerre mondiale, avec Maxime Gouin. On va tout de suite se connecter avec lui et on va commencer l'émission petit à petit. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Voilà, donc n'hésitez pas à partager les Kardèches. Partagez. Maxime, tu es à l'antenne. Bonsoir, comment vas-tu? J'adore, tu te défends. Bah écoute, je suis ravi de te retrouver, c'est notre première émission de l'année 2022.
On n'a pas pu le faire en fin 2003 parce que c'était vraiment très proche des fêtes et tout ça. Donc j'ai dit, bon, bah, écoute, on va le passer, on va faire ça 2022. Et je suis ravi de te retrouver parmi nous. Et merci encore mille fois. Je te remercierai jamais suffisamment assez. Parce qu'à chaque fois que tu nous parles de l'histoire de la Turquie, je le répéterai pour les nouveaux arrivants. Écoutez, les amis, écoutez comment raconte Maxime Blanc l'histoire. Et on a l'impression d'assister à un film en réel comme ça. Voilà. En tout cas, avec moi, tu arrives avec beaucoup d'auditeurs, comme j'ai dit, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Alors, la santé, ça va? Le Covid en Turquie, ça va? Pas trop de problèmes? D'accord, bah écoute, nous c'est pareil, moi je me suis testé il n'y a pas très longtemps, je suis négatif aussi, espérant que ça dure. Par contre, d'autres autour de moi, il y en a beaucoup qui sont positifs et j'espère qu'ils se rétabliront très très vite. Hein. Maxime, ce soir nous allons parler donc de l'histoire de la Turquie pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est ça? Oui. Voilà. Alors, on va parler de l'époque 1933-1939, hein, c'est dans cette... D'accord. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut poser la petite question, puisqu'on parle des Juifs là, est-ce que d'où venait donc la haine viscérale d'Hitler contre les Juifs? Parce que j'ai jamais compris ça. C'est... Oui. D'accord.
D'accord. Bah moi c'est clair. Ouais. La teinture dit Saint-Hitler. Ouais. D'accord. D'accord. D'accord.
Alors Maxime, je vais t'arrêter parce que je viens de recevoir un message. Ce qui est bizarre, c'est que moi, je reçois tout parfaitement bien. À la radio, tout est diffusé correctement. Et il semblerait que les amis sur Facebook, tout ça en vidéo, ils ne ressortent pas l'image. Ils n'ont pas le son malheureusement. Donc je suis en train, pendant que tu parles, je suis en train de vérifier. La radio, en mode radio, donc c'est le même signal qui passe, il n'y a pas de problème. Mais sur Facebook, apparemment, il y a un petit souci. Ce que je vais faire, je vais déconnecter et je reconnecte tout de suite, s'il te plaît, ça ne te dérange pas. Autant qu'on commence correctement parce que c'est pas normal que ce qui arrive. Donc je remets tout de suite en route. Hein. Je te quitte et je te reprends tout de suite.